Là, vous évoquez Elisabeth Badinter. Moi, j'ai du respect pour Elisabeth Badinter. Je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je respecte ce qu'elle dit. J'entends, elle dit, il y a des formes de procréation pour autrui qui sont nobles et dignes, etc., etc. Bon. Qui suppose tout au fond un droit à l'enfant, auquel, pour ma part, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un droit à l'enfant. Il y a des enfants qui naissent avec une méthode qu'on connaît tous, c'est que les enfants naissent dans le corps des femmes, sont portés à terme et ils naissent, voilà. Les êtres humains sont semblables, ne sont pas similaires. Un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Il y a une construction du genre, politique, culturelle, sociale, etc. Mais l'aptitude dans la procréation n'est pas la même. Alors, moi, je me bats d'un côté pour dire une aptitude n'est pas un destin, par conséquent, je suis partisan du droit à l'avortement, mais après, je ne vais pas dire, puisque les femmes peuvent porter des enfants dans leur corps, alors n'importe quel homme doit pouvoir en faire autant, parce que ça n'a pas de sens.